sûr, j'ai craqué pour les éléphants et on a décidé de venir vivre avec eux, tout simplement. Dis-moi bonjour, montre-moi ta belle bouche. Oh, que c'est beau tout ça. Wow. Sentez le troupeau réuni. Sentez comme elles vous entourent. Elles sont complètement avec vous. Tous nos éléphants, ils viennent de camps, usines à touristes. Et après, on leur tape dessus pour que ça marche plus vite. Ils n'ont pas de relation affective. Quand ils sortent de là, ils sont souvent dans un état physique et psychologique déplorable. C'est un animal qui est très très gentil. Sauf si on est méchant avec eux, quoi. Donc il faut être gentil avec les éléphants. Parce qu'ils sont gros. Le yoga, pour moi, c'est la vie, c'est l'ancrage à la terre. Et les éléphants, c'est également la terre. C'est, ils nous ramènent vraiment à qui on est vraiment. Allier le yoga avec les éléphants, ça va pas mal. Tout est calme. Ça remue parce que c'est des bêtes d'une douceur inestimable. Bah, ils sont à notre écoute, hein. Nous on est à la leur, mais c'est surtout eux qui sont à la nôtre. Hein. Les voir si près, c'est trop fort. Ça nous fait un peu sentir tout petits, nous les humains. C'est des larmes de joie, de bonheur. Le temps s'arrête, dans l'espace d'une journée, ils effacent plein de choses. J'allais utiliser le terme thérapie, c'est l'éléphant qui est thérapeute en l'occurrence.